On va quitter le Pigalle de la rumeur pour le Saint-Germain d'Oratica, où la vie n'était pas forcément plus simple. Or, ce prénom, votre mère vous l'a donné en référence aux premières lueurs du jour. Oui, ça veut dire lumière en hébreu. C'est même la première lueur, hein, je crois. C'est ce qu'elle m'a dit, oui, je ne sais pas très bien. On va comprendre pourquoi, d'ailleurs. Et votre mère, vous lui dédiez ce livre, « Mon ciel et ma terre » aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'un couple, celui que vous formiez avec elle. On voit votre mère, d'ailleurs, sur la couverture du livre, une mère libre, bohème, fêtarde, imprévisible et qui agrémente parfois son temps de drogue plus ou moins douce. C'est où d'ailleurs cette photo? Vous pouvez nous raconter ce moment? C'est ma tante qui l'a retrouvée. Je ne me souviens pas très bien, vous voyez, j'étais un petit peu petite. Oui. Mais c'est rue de Rivoli, je crois bien. D'accord. Très chouette photo. Alors on va commencer par le début. Avez-vous bien été conçu sous acide? Il paraît. Bah, j'ai vu les garçons d'un coup lever la tête. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère aimait bien les belles histoires, les belles légendes. Donc elle m'a dit, oui, elle m'a raconté cette histoire. Elle était amoureuse de mon père. Elle va chez lui. Il n'était pas là. Il y a la clé sous le paillasson. Elle rentre et puis il rentre une heure plus tard. Il dit, je savais que tu serais là. Ils font l'amour. Ils ont pris de la mescaline apparemment avant. Et il la regarde au fond des yeux. Il lui dit, je t'ai fait un enfant. Et 9 mois plus tard, tu es née. Donc voilà, c'est l'histoire de ma conception. C'est beau, non mais c'est beau, qu'est-ce ouais. qu'il y a oui, c'est beau, non mais vous en parlez de façon en plus. On apprend aussi que dans ce livre, vous avez grandi sans votre père, hein, que vous avez fini par rencontrer à l'adolescence. Ouais. Et votre mère, vous l'avez vendue un petit peu comme une légende. C'est ça, elle aimait bien embellir les histoires, c'est ce que vous racontez aussi. Ben, en fait, c'est, oui, elle m'a dit peu de choses sur lui, mais le peu de choses qu'elle m'a dit, c'était des choses très positives pour que je puisse, je pense, elle était assez intelligente, pour que je puisse me construire. Voilà, avec en tout cas quelqu'un, même si c'était juste une image, mais quelqu'un de positif. Et du coup, quand positive. Vous le rencontrez, c'est la claque? Non, c'est pas la claque, c'est juste un être humain. Et puis j'étais à un âge, à 15 ans, où tout d'un coup, ses parents, on les voit plus comme des dieux, on les voit comme des êtres humains. Donc, Ce qui est très fort dans votre livre, c'est que on est vous, enfant. C'est-à-dire, Enfin, voilà, Faulkner dit, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit pour ceux qui n'ont pas la parole. Et là, on a l'impression que vous écrivez pour les enfants qui sont toujours en demande de cet amour insensé et maternel. La scène où vous pleurez, la scène où elle arrive, et puis finalement, c'est pas très grave. Vous aussi, vous savez construire comme eux une dramaturgie avec des choses très subtiles comme ça. C'est vrai que j'ai fait presque un travail d'actrice en écrivant, c'est-à-dire que comme je me suis dit, bon, ben, je ne suis pas Céline, je ne suis pas Romain Gary dans l'écriture, donc je vais rester modeste et qu'est-ce qui peut me sauver, c'est d'être sincère et donc de me plonger dans un personnage comme la comédienne que je suis parfois. Et donc là, ça m'intéressait d'être du premier au dernier souvenir dans le regard à hauteur d'enfant à chaque fois, donc c'est... Je commence, elle a 4-5 ans, enfin le personnage de l'enfant a 4-5 ans, et puis grandit jusqu'à être une jeune femme. Et à chaque fois, l'écriture évolue, c'est-à-dire que l'écriture au départ, évidemment, quand on a 4-5 ans, on ne pense pas de la même façon et on ne voit pas sa mère ou les personnages de la même façon que quand on a 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et donc l'écriture évolue et devient plus, j'espère, plus ben construite, c'est ça, voilà, c'est et ça plus qui est remarquable. On vous suit dans ce parcours. Alors, je dis au public hein, également et aux gens qui nous regardent, c'est la bohème, c'est la débrouille, c'est un petit peu de pauvreté à un moment, c'est la drogue, mais votre mère n'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui un parent déficient. Vous dites que vous étiez même la plus heureuse des jeunes filles. Oui, parfois, des gens qui connaissaient un petit peu mon parcours me disaient « mais tu as eu un peu une enfance à la Cosette ». Et je disais « ben non, moi j'étais la plus heureuse parce que tout il y a eu le plus essentiel, c'est-à-dire l'amour et la confiance ». C'était très freestyle hein, quand même. Quand on lit le bouquin, c'était au jour le jour, vous ne saviez jamais ce qui allait se passer l'heure suivante. Oui, alors après, j'ai un peu poussé le curseur, hein, c'est un roman, mais oui, c'était très freestyle. Et puis j'ai gardé les moments les plus saillants parce que ce qui m'intéressait, c'était pas de montrer le banal de la vie quotidienne, c'était de montrer un peu les choses qui sont ressorties en plein ou en creux. Ah oui. Mais c'est un petit que... peu une ode aussi au pas de côté et puis à Aude, une... Aude Odette. Oui. Bien. Oui, parce que votre maman s'appelle Odette et on l'appelle aussi Aude. Oui. Moi, il y a un moment que j'adore et d'ailleurs, je crois que je préfère... Peut-être quand vous écrivez en tant qu'adulte, parce que je trouve que forcément, plutôt que quand vous parlez comme un enfant, c'est une écriture plus corsée, plus abrupte, mais qui me plaît plus que lorsque vous parlez comme une enfant. J'aime ce moment où vous dites, j'ai mis David Bowie, donc vous êtes adulte, et vous le marquez d'ailleurs, je crois, grâce à l'italique,
l'écriture en italique et le moment où vous êtes adulte. J'aime bien d'ailleurs quand vous jouez comme ça avec le style d'écriture. J'ai mis David Bowie encore plus fort, on ne pouvait plus se parler. Vous êtes avec votre fiancé et vos filles. Mon homme me fixait, les enfants me regardaient, les couleurs vives étaient franches, des jus m'agressaient. David Bowie était à table avec nous et je ne le ferai pas taire. Non, faire taire David Bowie, ce serait faire taire ma mère. Pourquoi ? Oui, ce serait oublier d'où je viens. Je pense qu'il y a eu un moment en fait, où je me suis sentie m'embourgeoisée. Je me suis dit, mais merde, mais d'où je viens ? C'est pas complètement moi, ça. Et j'ai eu envie, oui, de remettre David Bowie et les Rolling Stones et les Who. Et de, mais quand il est mort, il y a un an, vous avez eu l'impression presque de me redéfinir, de me redessiner, quoi, de me dire, mais je viens de là aussi. Bon, faut pas vous inviter à déjeuner un dimanche pour un déj tranquille, quoi. Ça vous fait chier rapidement. Mais si, non, c'est... Moi, c'est ce que j'ai compris. Ah oui, non, j'apprécie. Oui, ça ne veut pas dire que la tranquillité vous ennuie ? Non, je pense que ça m'a fait peur un petit peu. J'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur de l'embourgeoisement et de la tranquillité. Ah, c'est un grand problème, ça. Voilà. Beaucoup plus vaste. Hein. Ça arrive à beaucoup de gens. C'est pas assez rock, c'est trop rock. Il n'y a jamais de bon équilibre. Voilà. Mon ciel et ma terre aux éditions Fayard.